j'ai rencontré à Byron Bay. Elle est trop sympa, cette nana. Du coup, ouais, j'avais acheté un CD et puis elle m'a filé un t-shirt. Ouais. Si je vais à Melbourne, peut-être que je la reverrai. Un jour dans la vie, sur la route, dans l'univers, en tout cas. Ouais, aussi. Ah, ça c'est mon petit blues. J'ai joué au ballon avec Abdé l'autre jour quand on avait cherché pour de la. Des trucs. Dans un camp de gens qui bossent en ferme, mais genre c'est camping, genre avec des tentes, une énorme kitchen et tout. Des bonnes douches, puis partout des. Enfin, plein de trucs. Je joue au ballon et je me suis pété long, j'ai jamais fait ça de ma vie, tu sais. Mais bon. Voilà quoi, après je me calme, hein. Je prends soin de mon body, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi la ferme là. Parce que mon dos, mes genoux, et moi j'ai déjà fait beaucoup de pancardage, j'ai beaucoup utilisé mon dos dans ma vie. Le sac, la marche, plein de choses, hein, donc. Je vais pas aller me polluer l'air et le corps encore avec leurs putains de pesticides dans une ambiance de merde, ça va. Bon, les premiers jours c'était sympa, mais là j'ai suffisamment d'argent, pas besoin de me casser le cul, casser le dos à faire ça. Et du coup maintenant je fais Aurora's Taxi, avec Mathilde, Vraimbrun et Lola, j'ai commencé. Du coup ça fait du bien au porte-monnaie, un peu pour l'essence et tout. Puis Simon, les gars avec le van.